Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon bullet journal. Donc on va faire ensemble le mois d'août, donc la page de présentation, mes trackers, et puis ensuite dans mes pages hebdomadaires. Voilà, je vous montre tout ça en accéléré et je vous retrouve à la fin de la vidéo. We'll be right back.
Voilà, on se retrouve, donc là on est le lendemain, j'ai un peu avancé donc sur mes pages pour mon bullet journal. Bon, je les ai fait hors coloriage parce que c'était du tamponnage, mes cases à faire et puis du coloriage. Donc j'ai tamponné, bon, je vous ai fait voir les tampons sur la vidéo, et j'ai colorié donc avec les derniers stylos que j'ai achetés, des stylos gel Papermate. Franchement, ils sont super agréables pour faire du coloriage, mais bon, je pense que l'encre va partir très vite. Mais ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Donc voilà ma présentation du mois d'août. Ensuite, là on a les cases pour le mois avec ma décoration. Donc après, ensemble, on va faire, on va mettre les chiffres. Ensuite, donc on passe à mes trackers, mon humeur et puis. D'hiver donc avec de la déco des tampons. Bon, alors là je me suis trompée, j'ai mis le tampon à l'envers. Là j'ai essayé de faire des dégradés d'encre, et là aussi je me suis trompée d'une ligne pour ma case, donc là beaucoup plus large et là bah, elle est trop courte. Mais bon, tant pis, j'avais pas envie de mettre du blanco parce qu'après voilà pour ma décoration. Là il me restait une page, du coup j'ai dit bah, je vais reprendre ma page dépenses pour le mois. Donc pareil, des petits tamponnages et puis du coloriage avec les feutres gel. Ici je sais pas encore ce que je mettrai, je verrai plus tard. Et après donc on arrive aux pages pour les semaines. Donc là le mois d'août bah, commence un mercredi, donc là je vais j'ai laissé de la place pour faire de la déco. Après il faut que je complète. Donc, voilà, j'ai remis les semaines là. Voilà. Et puis là je me suis trompée, je l'ai fait là alors qu'il n'y avait pas besoin, mais c'est pas grave. Et donc comme ça se termine un vendredi, ça m'embêtait de. Ça m'aurait fait faire sur cette feuille-là, j'aurais eu que cette case-là. Ça m'embêtait un peu, donc je me suis dit bon bah, je vais faire quand même samedi dimanche, mes notes en bas, et puis voilà.
Et puis ici, bah, ce sera ce mois-ci, je ferai un petit récap quand le mois sera terminé, avec pourquoi pas des petites photos. Voilà. Ensuite, donc, je vais reprendre mes petits stickers planner de chez la Demoiselle de Papier que j'avais déjà utilisé le mois dernier. Et donc, je vais les utiliser pour mettre les jours. Donc, ici d'abord, donc, je vais choisir la longue planche. Donc, je pense que je vais partir avec ces chiffres-là pour le mois d'août. Et après, je crois que j'ai une feuille sur les tons violets. Oui, voilà. Et donc je prendrai après celle-là pour les semaines. Donc je vais faire ça tranquillement, puis je vous refais voir après. Donc voilà, j'ai fini de décorer et de faire mes pages pour le mois d'août. Donc je vous ai pas pris en vidéo parce que j'ai juste collé des stickers et puis. Puis c'est tout. Donc la page de présentation, ça c'était celle de juillet. Là j'ai donc mis les petits jours avec mes petits stickers, j'ai noté 2-3 choses et puis après je noterai ensuite le reste. Là j'ai rajouté du fluo, alors le problème c'est que le stylo que j'ai utilisé c'est celui-là, je le trouve super agréable, le Bic Intensity. Super agréable pour écrire, mais bah, ça bave, donc c'est dommage. Donc là, je vous ai dit le tampon que j'ai fait à l'envers. Là, c'est du fluo sur l'encre Stazone. Donc là, la Stazone est bien. Ça marque pas, ça tâche pas. Donc là, la page dépense. Là, j'ai rajouté ma liste, une to-do list. D'habitude, je fais ça sur une petite feuille parce qu'en général, c'est un peu brouillon, mais. Là je trouvais ça, j'ai mis beaucoup de temps à faire mes pages, mes tamponnages, mes coloriages, mes cases. Donc là j'avoue que ça fait 2-3 jours que je suis dessus, j'en avais un peu marre, donc j'ai fait très simple. Ensuite j'ai rajouté des stickers et puis les petites dates. Donc ça vient de donc c'est ces autocollants là, donc c'est la collection, c'est Amy Tangerine, il y avait 60 autocollants. Je sais pas si un nom. Je les ai achetés il n'y a pas longtemps, donc vous les retrouverez dans un haul. Ensuite, ça vient des packs Mambi. Alors, je sais plus lequel. Et après, c'est des autocollants, des stickers Action. Voilà. Donc là, j'ai fait des sirènes. Là, j'ai fait des coccinelles. Là j'ai fait des papillons, donc du coup bah, j'avais plus de stickers, donc j'ai mis 1er et 2 septembre là. Et puis donc ça se termine par ma page, voilà, ce sera un récap du mois. Donc voilà pour ma vidéo sur mon bullet pour le mois d'août, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore d'être chaque jour plus nombreux, de me suivre, de me regarder, merci pour vos petits commentaires, ça fait très plaisir. Et bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.